avec institutions financières, au plus haut niveau, nous avons trois bagailles. Un, vous comprenez et accepter que grande situation qui basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que vous même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement, ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Vous d'accord avec nous que nous parlons de portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous parlons insister sur eux, complémentaire à ça nous allons faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine là, et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine là. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de ça qui sorti de eux. Plus particulièrement, Bible dit même, il dit nous, bien content de nous venir là, parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite, pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter soit DIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement, qui est indispensable pour nous faire progrès tout dans la question sécuritaire. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que l'intervention est tout excessivement important pour le succès, j'aimerais dire la transition. Donc, nous faisons des discussions très, très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. De Washington, nous traversons dans le New York. Côté que nous avons parlé avec le Conseil de sécurité, nous avons une belle conversation avec le même Conseil de sécurité. Côté que dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça, et nous bailler le temps. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïtiens, et n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoir de solidarité internationale là sont dus, et nous attendons à ce que nous gagnions, en urgence, de manière coordonnée, et au moment où on a besoin. Nous profitons tout de rencontrer des éléments clés de la diaspora. Côté nous font des discussions très, très, très pratiques, sur comment la diaspora pour impliquer la transition de manière concrète. Nous rassurer que nous avons une vision, nous rassurer que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté projet, que c'est le moment où pour eux-mêmes y engager. Et ils ont fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby sous autorité américaine, pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagne.